Bonjour à toutes et à tous, je suis Alice, bienvenue pour le début et le dernier chapitre de l'histoire principale de Neverwinter Nights. Le chapitre 3 a été rapide pour une raison que j'ignore comparé aux deux précédents. Nous avons réuni les trois mots de pouvoir, mais il semblerait que Mogreen possède le quatrième. Et en plus, les défenses de Palyver n'ont pas réussi à stopper l'attaque de Mogreen et de Haribes, la Tertresse. Mais pire encore, la reine des anciens est en train de se réveiller. La reine des anciens qui s'appelle Morag, si je me souviens bien. Et maintenant, nous sommes toujours avec Dalin. Dalin, notre fidèle compagnon. Mais tout d'abord, nous allons parler au Seigneur Nashaer. Ainsi, nous nous retrouvons. Comme vous le savez, je suis Nashaer Alagondar, seigneur de Padivert. Je fus aventurier autrefois, tout comme vous. Mais c'était il y a très, très longtemps. Haringen me dit que vous avez fait beaucoup pour défendre la ville. Je vous en remercie, mais je crains que cela n'ait été en vain. Haribes connaît trop bien nos défenses. Nous ne pourrons résister à ses forces. L'ennemi a percé nos murs. Tout est perdu. Ne perdez pas espoir, monseigneur. Nous avons encore les mots de pouvoir. Et à quoi nous servent-ils, Harin? Nous ne savons quel usage en faire. La magie de ces tablettes de pierre ne nous est d'aucune utilité. Aedraline nous révélera peut-être leur secret si vous la libérez des donjons. Je me méfie de cette créature, Harin. Et vous devriez en faire autant. Nous ne lui avons fait aucun mal. Si elle était vraiment notre alliée, elle parlerait. Aedraline nous a signalé la porte secrète sous le château. Sans elle, nous n'aurions jamais trouvé la pierre des origines. Et combien même, Harin? Cette créature ne nous dit rien à son sujet. La pierre des origines nous sert aussi peu que les mots de pouvoir. Peut-être qu'Aedraline parlera à notre allié. Elle lui a déjà parlé auparavant. Assez, Harin! Maintenant, si vous voulez parler à Aedraline, vous êtes libre de le faire. Mais je ne la laisserai pas quitter le donjon tant qu'il restera un seul ennemi dans la ville. Je pense que c'est une perte de temps. Les mots de pouvoir, la pierre et Aedraline. À quoi nous servent-ils contre l'armée d'Haribes? Notre sort est scellé. Nous sommes tous perdus. Je pense que ce sera au début beaucoup, beaucoup de dialogue. Naturellement, naturellement. Mais avant d'y aller, peut-être que Gemd a raison. Vous devriez peut-être aller parler à cette Aedraline. Je doute que cela serve à grand-chose, mais sait-on jamais. Elle pourrait savoir comment nous sauver. Après tout, nous sommes désespérés. Toute information importante devra immédiatement être rapportée à Harin Gemd. Je lui ai confié la défense de la ville. Ouais, ça va être, je pense, essentiellement pour le début du dialogue, du dialogue, du dialogue. Alors, menés par Haribes et Mogreen, les forces de Luskan ont presque envahi Padivert. Même la mort de leur chef pourrait ne pas suffire à inverser le cours de la bataille. Haringen pense qu'Adraline, l'étrange créature reptilienne qui se languit dans les donjons du château de Padivert, pourrait connaître un moyen de sauver la ville. Elle seule pourra révéler les secrets des mots de pouvoir et la pierre des origines qui vient d'être découverte. Mais maître Gay... Oh putain. Mais maître Gay... Qui... Ah non, c'est un personnage. Maître Gay... Gay... Je vais essayer de pas me tromper dans la prononciation Gay, qui est actuellement en train d'étudier la pierre des origines dans les caves situées sous le donjon du château, pour également avoir quelques informations. Et pour ceux qui se demandent, ça y est, les objets de quête dégueulasses se sont barrés. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle. Alors, les donjons du château, c'est ici. Alors, petit donjon, ça doit être Aedraline derrière, bonjour. Bonne journée. Oh, c'est bonne journée. Le seigneur Nashaer m'a envoyé ici pour interroger la personne d'être nue. Oh, je suis envoyé Nashaer, j'ai tous les droits. Alors. Psst, je vous attendais. Ces autres sang chauds sont faibles. Psst, je ne leur fais pas confiance.
Alors, bonne nouvelle, le Unrecognized Token, il a été oublié pour Adraline. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le personnage est bien décrit dans le script. Ils sont faibles, comme ceux que vous appelez Aribes et Mogrim. Ils ne peuvent résister au Créateur, maintenant que Morag s'agite dans la pierre des origines. Mogrim a ravivé la magie des mots de pouvoir. Les anciens s'éveillent et le monde que vous connaissez va disparaître. Trois des mots se trouvent ici dans le château. Mais il y a quatre mots de pouvoir en tout. Mogrim a trouvé le dernier, le plus puissant de tous. Je suis venu prévenir votre peuple du retour de Morag. Mais les Sang-Chou se méfient de moi. Ils m'ont jeté dans ce donjon. Ne perdez pas votre temps à essayer de me libérer de cette prison. Ça ne sert à rien. Aidez-moi plutôt à empêcher le retour de Morag avant que les anciens ne se réveillent et que je ne redevienne une esclave des mots. Le quatrième mot n'est pas loin. Je sens son pouvoir. Mogrim et Aribes l'ont apporté ici, dans la ville que vous appelez Padiver. Apportez-moi le mot. Je suis Aedraline, chef des esclaves des mots. Avec le dernier mot, je pourrai briser le pouvoir de Morag et la piéger à jamais dans la pierre des origines. Vous devez vous hâter. À chaque heure qui passe, la puissance de Morag augmente. Bientôt, je ne serai plus de taille pour empêcher ma reine d'éveiller son peuple. Et c'est la quête, la fin de la quête. Alors, c'est le moyen d'empêcher les nains. Morag serait caché dans une zone de guerre au sud de la ville, protégée par les forces de Scan. Eh ben, défonçons des gens. On va aller défoncer du mob. On va quand même prévenir Arine. Au cas où il se demande où je suis. Nous vivons une bien sombre. Mais si pas dit. Oui. Et votre rôle vous est déjà connu. Je crains qu'Aedraline ne se mette. Oui. Il serait peut-être préférable que vous gardiez ses secrets. Soit... étrange discours. Être espion désormais. Oui. Je vous fais. Si nous avions. Je crains que vous ne. Oui. Il. Ok. Bon, je l'ai prévenu. Il m'a dit fuck. Oui. Je crois que ce soit pour vous. J'aimerais que vous vous entraîniez. Ah oui, je peux le level up. Voilà. D'alors, level up. Oui. Magiquement. Pour vous. Donc là, Dalin, il a level up. Enfin, il a... il a évolué. Enfin, il a changé. Il a disparu, il est réapparu, il a fait level up magique. Du coup, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah, du coup, on va faire une petite sauvegarde au cas où. Et on va visiter un petit peu tout ça, sachant que là, c'est la sortie du château. Là, techniquement, j'ai même plus besoin d'ouvrir les coffres. Enfin, de prendre ce qu'il y a dans les coffres. Vos désirs sont des ordres. Ah, merde. C'est fait. Putain. Ah, bon. On va changer de tactique, Dalin. Pensons de savoir, 5 minutes. Oui. Alors, on change de tactique. C'est tout, voilà. Parce que j'ai pas envie de me faire repérer. Ah, excusez-moi, c'est le téléphone. Voilà, c'était le moment le plus intéressant du monde, l'intervention du téléphone. Surtout quand c'est pour me dire de la merde. Faudrait peut-être que je revende mon merdier. Ouais, faut que je trouve un mec pour revendre du merdier. Bon là y a rien, je fouille quand même un petit peu, on sait jamais, mais il faudrait que je trouve quelqu'un pour vendre mon bordel. Oh, un gros coffre, évidemment, les gros coffres, c'est verrouillé. C'est peut-être piégé aussi, mais bon. Waouh. Waouh, splendeur d'aigle. Oh oui.
La splendeur de l'aigle qui me rend beau. Alors, un bureau. Ah oui, puis il y a des mecs là. Ah, c'est parfait ça. Donc là, des blessés, des blessés, des blessés, des blessés. Ah ah, garde. Alors, garde, garde, infirmière. Non, c'est pas toi que je voulais. Salutations. Au prêtre. Mais oui. Mais ah, le prêtre. Non, infirmière, il est où le prêtre? Où est votre ami le prêtre? Ouais, bon. Allons voir dehors le merdier qu'il y a. Clairement, c'est le merdier, hein. Oui, très messieurs, bonjour. Alors, c'est la guerre partout. Enfin, la folie qui... Vous prenez vachement bien les mecs. De l'or. Inutile. Qu'est-ce que... Ça, c'est quoi? Ah non, je ne peux pas ouvrir la... Je ne peux pas ouvrir la porte, il y a un feu! Et là, il y a une caisse. Alors, par contre, ça sent le bordel. Temple de tir. Oh là là! Il se passe un truc là. Il se passe quelque chose. Là, c'est l'arbre. Faut que j'essaie de au temple. De... Salut toi. Que la bénédiction de la mère nature chante les... Ah parfait, tu vas vendre mon merdier. Alors, tiens. Tiens. Caillou. 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 Merde. Épée. Diamant. Caillou. 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 Nul. Voilà. T'as mis ça aussi, hein, les sorts. Les potions, je suis OP. Impec. Je peux te poser des questions? Très bien. Très très bien. Bon, alors c'est le merdier. Je vais quand même faire un tour. Parce que j'aime compléter les trucs. Et voir le temple de tir. Ah, Olef, mon ami Olef, tiens. S'il vous plaît, soyez bref. Il y a plus de morts et de mourants que je ne pourrais en soigner dans toute ma vie. Travail très apprécié. Je me guéris-moi. Voilà. Merci, demi-tour. C'était juste au cas où. C'était gratuit. Bon, là on va continuer à observer. Ils disent d'aller au sud, on va quand même faire un tour un peu partout. Des morts, cadavres, des cadavres. Marché. Là c'était là. La tour des câbles, j'y suis jamais allé à cette tour de merde. Il va falloir que je m'y rende un moment. Marché des lames, inutile. Là c'est le Dawa. Il y a des gardes, le masque de Pierre Lune, c'était, je crois, une maison close. Une barrique. Une maison fermée. Pas du tout. Ah bah c'était le masque. Bonjour. Nous vivons une époque bien étrange. Ah. C'est lié au... Oui, le masque de Pierre Lune était réputé pour le... Confort. Non. Salut. Oh, calme-toi. Ah oui, ce trou n'était pas là la dernière fois. Donc ça a bien bien changé depuis un moment. Ça a même trop changé. Bon, alors, il faut trouver le chemin. Charger. Où ça? Là, il y a un garde. Ah, là, il y avait une porte, il me semble.
Oui. T'as toute la première map. Ah là là, ça me rappelle des souvenirs d'il y a. D'il y a un long. Wow. Un long moment. Bon. Normalement, c'est ici. Voilà. Bon, il reste des trucs. Je suis désolé pour les complétos. Mais on va y aller. Donc, c'est le sud. Zone de combat. Des combats. Ah oui, c'est vrai, c'était la zone de combat un peu nulle, un peu tendue. Je m'en souviens. Avec une espèce de tour au milieu. C'est parti! Bon, alors, les maisons. Rien à faire. On fonce. Oh, bonjour! Géant du froid de Lucien. Vous êtes un peu nul. Voilà, ok, j'ai rien dit, vous êtes un peu fort. Entrée de maison, entrée de maison, entrée de maison. Il y a plein de maisons, comment ça se fait? Ah, puis il y a un drop. Potion. Alors, les potions, je ne vais pas cracher dessus parce que c'est quand même ma drogue. Maison, mais il n'y avait pas ça quand j'étais. Et quelqu'un dans les maisons. Ah, ah, il y a les capitaines. Il y a les capitaines. Très super, je suis. J'ai peur. Et Dallas se bat tout seul. Ah, mais dame, il prend cher. Ah, ça y est. Ok. Très bien. Les maisons, je pense que c'est pas une bonne idée. De toute façon, ça va être simple, c'est. Ah, putain, faut que je me retape le combat. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié. Mais on, d'accord. Le truc du tout sur un, ils s'en fout un peu d'avant. Donc là normalement j'ai potion. Ok. Donc ça c'est fixe. Lisa, oh bonjour petite. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un des soldats de Luskan, n'est-ce pas? Luce m'a dit de me méfier. Yeah, persuasion. J'espère qu'elle va prendre le bon chemin. Je vais au moins l'escorter pour qu'elle aille dans le disparition. Ouais, mais oui, alors très bien. Mais ouais. Est-ce que je dois aller la revoir par contre? Ouais, donc ah putain, il y a des quêtes. Ah, ça m'énerve. Alors attendez, je cherche un truc. Si je vais là, je vais me trouver contre un monstre. Enfin, contre. Non. C'était pas la bonne entrée. Messieurs, bon. Ah oh, un capitaine. Un capitaine. Oh, mais les capitaines, ils sont nuls. Attends. Ah. Je sais pas qu'ils sont nuls, mais ils ont quand même pas mal de dégâts. Enfin, pas mal de PV, mais très peu de défense. Surtout ça. Ah, une catapulte.
Bon. Que le sol vous engloutisse. Il y a beaucoup de catapultes dans cette zone. Là, qu'est-ce qu'on a? Entrée de la maison, encore. Ouais, donc c'est très clairement dans ce coin que ça pue. Très, très clairement. Ah, bah d'accord. Ok. Ah, par contre, là, il y a quelque chose. Là, il y a un truc magique. Je fais beaucoup de sauvegardes, écoutez. Oui, je suis... Ah, maison de magicien. Ah, excuse... Merde. Ah, merci. Oh, mon pote Belial. Salut, ça va? Ah ouais, pas con ça. Prends une potion. Oh, excusez-moi. Que vient-il de se passer? Je crois que je suis mort. Oh, il faut un hôtel. Hein. Ah, par contre, Dana il est en train de crever sa mère. Dana est en train de crever sa. Dana il était tellement en train de crever. Mais pas mal. Bah voilà. Ah bah parfait. Ça a fini. Bon, petit bâton. Des notes. Oh oh. Ce document est un court résumé du plan d'attaque des troupes de Luskan contre Bolivar Arribas en tant que chef de guerre, commande l'armée à partir de Sangreal Morim, un domaine extraplanaire créé par Morim. Et c'est une partie située dans la cour au sud-est. Le Tector t'aime par méfiez-vous de Balor car il garde l'entrée du sanctuaire de Morim et tuera tous les intrus. Ok. Donc. On doit aller dans un plan extraplanaire. Non, c'est pas le Sagar, c'était Europe. Ah mais c'est trop bien ce qui se passe. Au sud-est, sud-est, sud-est. Moi je vais où c'est. On sent que c'est la fin du chapitre quand même. Enfin, que c'est la fin du jeu. Impossible! Quoi? Ah la vache, on va se prendre cher. Qu'est-ce que je disais? Pour ça, ah bah c'est bon. Juste pour une arme. Mais non. Mais jamais quoi. Ok, donc maintenant, on a une information. Sud-est, c'est ici. Ouh, pauvre cadavre. Oui, moi je conseille des grosses portes. En avant, golem de siège. Yeah.
Arme inefficace, ok, repli. Bonjour. Ouais. Moi je m'occupe de lui. Voilà. Oh, level up? Sérieux? Vraiment? Non. Non. Ah la vache. Ah merde, hein, il est mort. Ah, puis j'ai sauvegardé quand il est mort. Bon. Mais genre, vraiment, level up. Voilà, merci. Ah mais c'était pas une blague. Niveau supérieur. Ouais. Ah mais trop bien. Ah putain, je me... Oh, parfait. Oh, c'est parfait ce qui se passe. Oh là là. Recommandant en dextérité. Non, 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 non. Pas en dextérité. Non, 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 on va pas le faire en dextérité. Constitution, c'est pas la peine. Intelligence, c'est bon. Sagesse, je m'en fous. Caresse, je m'en fous. Je vais me mettre un point en force. Alors là, par contre, discrétion, désamorçage de piège. Premier secours, toujours. Crochetage, déplacement silencieux. Savoir. Fouille. Détection. Ouais, je veux bien ça. Et il me reste un point à mettre. Et persuasion. Voilà. Et hop. Oh oui. Oh putain, don. Mais c'est parfait ce qui se passe. Esprit foudroyant. Alors, les qui ratent leur jet de volonté contre son manteau, ok. Esprit esquive surnaturel. Chaque fois qu'un jet de réflexe est autorisé pour des... Ok, maîtrise des compétences. Quand on utilise les compétences des anciens pieds, crochage, piégeage, enfin tout effectivement 20 sur... Oh, pas mal. Il roule les boulets. Alors, si le roublard reçoit un coup potentiellement mortel, il fait un jet de leur réflexe. S'il réussit, donc qu'est-ce que... Je pense que esprit surnaturel. Esprit surnaturel, ouais. Alors, force plus 1, plus 9, parfait. Génial. Il faut juste que je retrouve Dalin. Dalin. J'ai trouvé déconcertant mon passage. Dalin, Dalin. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux me soigner? Non, c'est vrai. Olef, voilà. S'il vous plaît, soyez. Oui, il me faut me guérir, s'il te plaît. Merci. Et donc, on va faire une petite ellipse le temps que je revienne là où je suis mort et je vous reprends tout de suite. Et nous revoilà où je suis mort comme un sale. Un sale, basiquement. Alors, il faut faire attention au golem. Le siège, il l'attaque. Espèce de crétin, lui. Sauf que là... Voilà, moi... Lui, il s'occupe de lui, moi, je m'occupe de lui. Ah, il y a quelque chose ici, tiens. Le temps que Darin se rende compte que ça sert à rien, le golem de siège, hein. Il va pas s'en rendre compte tout de suite. Non. Même pas du tout.
Ouais, bah du coup, la porte. Voilà. Hop. Et la porte. Voilà. Donc là, mon plan était d'une simplicité optimale. Ah ok, mon plan n'était pas d'une simplicité optimale à cause de cet homme. Putain, mais il se bat encore contre un golem de siège, il est complètement teubé. Ah mais donner une médaille à cet homme parce qu'il est teubé. Bon là, de toute façon là ça va être simple, c'est paf. Et merde, pas assez rapide. La rage du tigre rouge se déchaîne. Ouais bah occupe-toi en écoute. Ah mais merde. Voilà, voilà, faire autrement. Voilà, faire autrement de toute façon. Oui. Ah. Putain, c'est vrai que la sauvegarde c'est vachement efficace. Donc on va se mettre là. Voilà, ici on va se reposer parce que tu m'énerves à aller te battre alors que il y en a pas besoin. Alors ici, va falloir qu'on aille ici, je pense. Ouais, une... sud-est. Sud-est. Sud en bas. Ouais, c'est ça. Sud-est. Oh, il faut repasser par les endroits chiants. Il faut aller dans la maison en face. Donc, on court et on bourre. C'est aussi simple que ça. Là, le golem. Non, mais le golem, même pas la peine d'y penser. On bourre, on bourre, on court, on court. Voilà. Bonjour messieurs, bonjour madame, allons sus... Comment ça, pas la bonne entrée? Pas la bonne entrée, excusez-moi. Bon bah alors l'autre entrée. Ah oui, celle-ci, évidemment. Ça le gars, oh bah tiens. Percute. Ah, hop, 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 hop. Non, 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 je suis stun. Parfait. Alors, non, lui. Potion, vite avant de crever, allez. Et je suis complètement paralysé. Oui, alors... Ah, on sent que c'est plus là même d'un coup. On sent que là, il y a... Il s'est passé un truc dans leur vie. Ils se sont dit, on va t'emmerder. En même temps que serait une fin sans une... Allez, allez, passe. Parfait. Oh mais Dalin qui est en train de m'énerver, Dalin qui est inutile, mais comme pas possible. C'est l'homme qui ne sert à rien. Voilà, je l'ai dit. Voilà, il est mort. Toi, voilà. Ah mais... Ah mais c'est pas vrai. Oh, tu vas peut-être crever comme une merde. Oh là là. Non, le nain. Goûtez à ma colère. Ah mais c'est elle qui invoque des nains. Oh ça. Ah d'accord. Ah puis j'ai tous les malus du monde aussi. Non mais j'ai tous les malus du monde. Ouais mais non, faut focus le prêtre. Focus que le sol vous engloutisse.
Ok, donc changement de plan. Parce que Dalin ne sait pas se soigner, il attaque comme un boulet. Hop, non, tu vas rien faire. Ah, préparons. On va ouvrir, on va faire un guérison, enfin, premier soin sur Dalin. Voilà, j'utilise mon sort, enfin mon tour. Ah, ça marche, incroyable. La rage du tigre plat. Voilà. Bien joué, Dalin, je suis mort comme une teub. On va y arriver. Non mais je suis pas d'accord, écoutez, moi je ne suis jamais d'accord. Oh mais attends. Oh mais attendez une seconde. On va faire ça autrement. On va se barrer. Regardez. Hop là. Salut. Oh mais il m'énerve lui. Oh il m'énerve. Non. Voilà. Dalin. Pire personnage du monde. Bon bah là je vais pas vous la refaire une autre fois. Encore une ellipse. Bon bah le combat il a repris alors que moi je voulais pas, hein. Voilà, puis on va utiliser une technique bien connue. Voilà. Voilà, c'est la technique de la porte. Ah, il m'a mis cher dans ma gueule. Bah voilà, moi j'ai été surpris, je me disais, ah, elle va pas m'attendre dehors. Mais en fait, si. Voilà. Et ben, très bien. Moi je suis d'accord avec tout ce qui se passe. Bon, alors par contre, on va se reposer. Parce que, très clairement, je pense que... sans un minimum de préparation, je vais crever. Je vais tellement crever. Mais tellement. Ah mais je suis content, j'ai level up. Et le prochain il y a 16 000. Ça se tient. Hop, évidemment. Évidemment, le coffre est piégé. Voilà. Ah ça je prends. Toujours utile. Bon, derrière. Il y avait un piège. Je vais vous dire un petit peu. Zone des combats. Mais normalement, je suis des... Oh ! Salut, toi, tu dois être... Le connard de démon. Basiquement. Ah, par contre, il a une superbe hache. Mais moi, je... Ça m'énerve d'être nul. Pas mal du tout. Je suis une tanche au niveau de la résistance. Pour résister au sort, c'est foutu. Voilà, Balor de mon... Même pas une attaque. Oh la vache, il est en train de défoncer Dalin. Ah mais le déf... Bon, plus moi il va me défoncer, hein. Moi je peux rien faire. Je peux rien faire. Là c'est... Ça va être le boss chiant. Ouais, ça va très clairement être un boss chiant celui-ci. Ouais, j'aime ça, les boss chiants. Voilà, on a mis deux coups, on est content. Ouais, ça passe, écoute.
Par contre, par contre, tu es en train de défoncer Dalin. Comme pas possible. Oh là là. Oui, je le back maintenant. Non, mais c'est bien, ça, ça passe du impossible à easy. Moi, j'aime beaucoup ce genre de combat. Non, mais alors, bah oui, mais celle-là elle est trop bonne. Celle-là, cette blague est vraiment énorme. Bien joué, Dalin! J'avais oublié que ses sorts c'était nul. Parce que ça prend un temps aléatoire pour se dissiper. Ah, parfait. Bon. Repos, un peu obligé. Alors, les coffres. C'était pas la bonne touche. Ah bah tiens. Oh, c'est piégé, ça alors. Un battle. Je vais le prendre, je vais l'équiper. Ah, je veux pas. Bon. Et donc là, il y a un portail. Ça doit être le portail. Ceinture de Mogami, c'est le portail. C'est le portail. Et bien, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on s'arrête là, qu'on se garde la suite du chapitre 4 pour plus tard. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode que je vais pas couper. Je vais livrer tout d'un bloc, je pense. Donc, pour avoir tout regardé jusqu'au bout et d'avoir supporté la détresse. Si vous êtes hypé par cette fin de jeu potentiel, parce que je pense que ça va pas être très long au point où j'en suis. Eh bien, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter si vous avez une strat pour Mogrim, Maribess ou Morag, parce que je pense que Morag, on va devoir la battre. Si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Merci à tous, bon jeu, et à très vite pour la suite de Neverwinter Nights.